Bienvenue à l'Anglais Express. En anglais américain, il se peut que vous ayez déjà entendu cette expression « out of your mind », hors de ta tête. La personne se trouvant dans cette situation pense-t-elle réellement? Suivons. I just got two tickets to see Paul McCartney in concert. Wanna go with me? Oh my gosh, that would be so cool. How much were the tickets? $200. I bought them from someone, so I had to pay a little more. Whoa, are you out of your mind? Sorry, but I'm not going to pay that much. Out of your mind, cela veut dire être en colère, hors de soi, ou alors être dans tous ses états. Cela implique que si vous allez prendre une décision, qu'elle n'aurait pas de sens. C'est une locution informelle, voire familière. Parfois, on l'emploie sous l'effet de la colère, ou alors la consternation à un ami. Are you out of your mind? T'es fou? T'as perdu la tête? Et voilà pour l'Anglais Express.